Assalamu alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto. C'est mon premier tuto sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire un tuto sur comment faire une carte de visite carte de visite avec le logiciel PS, Adobe Photoshop, le tout nouveau Adobe Photoshop CC. Il y a la version CC, mais je ne l'ai pas encore. Voilà mon tuto, vous savez comment c'est comme ça. Je vais ouvrir le logiciel Adobe Photoshop. Ensuite, après avoir, vous allez sur fichier nouveau. Attendez, des profils de couleur. Mon logiciel depuis avant-hier jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui se passe. Ici, vous faites personnaliser. Vous personnalisez. Ici, vous mettez 900. Et ici, vous mettez 650. Résolution, vous mettez 300 parce que ça sera imprimé. Vous laissez en blanc, après vous faites OK. Ça s'ouvre comme ça. Voilà votre background. Vous déverrouillez le cadenas. Vous cliquez deux fois. Vous mettez OK. Ça s'ouvre comme ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir un autre calque. Dans ce nouveau calque là, vous allez dans outils, vous placez sur ce calque là, outils, il faut régler, vous choisissez ce calque. Vous mettez le 899 pixels de longueur. Hauteur 276 pixels. Vous le choisissez et vous le remplissez. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Ici, je vais choisir le vert avec comme qui de gros 0CFAOA. J'applique. Je vais dans pot de peinture. Je choisis la peau de peinture et je remplis. Après avoir rempli tout ça, vous sélectionnez M pour le raccourci et vous désélectionnez. Voilà, c'est fait. Maintenant, on veut une carte designée. Design. Vous choisissez le truc de sélection. Vous mettez deux barres. Le bleu, l'autre jaune. Un nouveau calque. Vous faites un nouveau calque. Vous positionnez sur le calque. Vous allez sur l'outil ou le rectangle. Vous sélectionnez 506, 25, voilà, 506 pixels de long, 25 pixels de tour. Vous allez dans le tube pour le peinture et vous le peignez. Il faut la peindre en bleu. Vous faites appliquer, vous désélectionnez, vous choisissez, oui, vous désélectionnez. Vous désélectionnez. Ensuite, vous positionnez sur le calque. Vous le dupliquez. Il faut dupliquer le calque. Okay. Il faut dupliquer le calque et le nommer. Par exemple, moi, barre verte. Vous le choisissez.
avec l'outil, soit vous le déplacez, vous faites comme ça, vous cliquez, vous allez dans incrustation de couleur. Moi je le veux en jaune. J'aille dans couleur. Moi je le veux en jaune. Je choisis le jaune. Je le prends en jaune. Vous mettez. Ok. Voilà ma barre avec son effet d'incrustation couleur. Maintenant, il faut que j'ai deux barres. Chacun de chaque côté. Maintenant, cette barre là, vous voyez là où le curseur est, je vais la dupliquer. Ce barre là, je vais la mettre en rouge. Je mets barre rouge. Ok, je vais dans incrustation de couleur. Je vais dans couleur, je mets le main en rouge. Ce rouge là, d'accord. Ok, après je la déplace. Même chose dans l'autre barre bleu. Ok, je la duplique. Ok, ce barre là je vais la mettre en orange. Barre incrustation orange. Ok, maintenant ici vous avez l'outil règle. Ici vous déplacez les règles, vous positionnez sur la barre orange, vous le choisissez et vous l'inclinez. J'ai ici la barre rouge. Même chose. Mais ok. Je me positionne sur la barre verte. C'est pas la barre de moi ici. Ok, il faut aller dans la barre orange. Choisir aussi. Pardonnez-moi des sens. Ok. Je vais laisser ici. Ok. Voilà. Après avoir fait ça, vous validez tout. Vous désélectionnez. On choisit le texte. On place le texte. On fait pape. On choisit la police. Comme moi, je vais choisir Microsoft New Light. Je mets pape. Mon nom, pape. Wagana. Faye. J'appuie sur Enter, c'est le même texte. Je mets fonction journaliste. Journaliste. Okay, je choisis ça. Je sens la police.
police. Il faut, on a dit designer. Donc il faut importer des images pour le numéro de téléphone. Zay. Dans le fichier. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il faut faire. Ok, il faut installer. Ok. Fichier. Importer. Donc ça sont mes trucs donc. Voilà, j'importe. C'est un peu comme ça. Je vais diminuer le temps. J'importe. Ok, le temps. Je vais le descendre ici. J'importe d'autres fichiers importés. Pour le numéro de téléphone, le web et l'adresse email, je vais prendre l'outil email, j'importe. Vous voyez, ça sera un peu grand, mais ça rime avec la couleur. Il faut avoir aussi une idée de génie et savoir ce que vous faites. Vous le savoir faire, ça a rien de l'importance. Voilà. Modifier un peu. Voilà. Il faut s'assurer. Qu'ils sont alignés. Ok. Il faut faire. Ok. Il faut importer l'adresse. Mais pour ça, vous avez ici un autre côté. Que vous pouvez mettre l'adresse. Wow. D'accord. Vous allez sur fichier. Importer. Alors moi je vais prendre home. J'ai ici une petite maison. J'ai ici une petite maison home. Vous avez importé. Ça tarde à venir, je ne sais pas. Ça tarde, ok. Voilà. Là. Ok, c'est bien. Ensuite, il faut mettre le texte. Allez dans votre texte. Vous choisissez Microsoft Live ou Live. Microsoft Live. Microsoft Notar Live. 27. Et ici 221. Diminuer la taille en 10. Ok. Ok. On va la baisser. Ok, c'est bien. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur, mais le jaune, c'est bien. Vous dupliquez. Le calque. Dupliquer. Vous pouvez en bas. Ici, vous mettez votre adresse électronique, email. Arrobas
gmail.com. Gmail.com. Vous choisissez, vous le diminuez jusqu'à 8. Ok, c'est bien comme ça. Vous voyez ici, vous mettez OK. Vous allez sur l'outil texte, vous dupliquez le calque. Vous prenez ce calque là, vous le mettez ici. Vous le prenez, vous mettez assez et vous écrivez rue. Villa numéro 30. Vous choisissez, vous diminuez la prise à 6. Ok, voilà. Voilà un peu plus une date de. Ok, ici je vais encore diminuer parce que je dois couper les parties, comme vous le savez. On diminue encore la police. On met 5. Ok. 5. Ok. Voilà. Voilà un peu une carte de visite un peu designée. En fait, c'est ma toute première vidéo. Donc je vais aller dans l'outil sélection. Je sélectionne le tout. Comme ça. Je vais transformer la sélection. Je vais dans l'image. Je fais comme ça. Je vais dans l'image. Je fais recadrer. Image. Voilà l'image. Je vais recadrer. Voilà ma carte. C'est fait. C'est un peu moche, mais à fur et à mesure que je vais faire des tutos, vous allez bien comprendre. Voilà ma toute première carte, et à bientôt. N'hésitez pas à faire des critiques et des reproches. Je sais que c'est pas facile, c'est ma toute première. J'avais une trentaine de minutes pour faire une si banale carte, c'est pas facile, vous voyez.